Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'Orangerie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un style de musique estival, le surf rock. Quand on pense surf rock, on pense évidemment aux Beach Boys, les garçons de plage, groupe qui dans les années 60 faisait des chansons légères et naïves autour de sujets tels que le surf, la plage, les voitures, les amours adolescentes. Les Beach Boys, c'est un groupe vocal, mais dans le surf rock, on a aussi de nombreux artistes instrumentaux. C'est notamment le cas de ce guitariste qui s'appelle Dick Dale, un guitariste qui dans les années 60 va révolutionner la guitare électrique à travers un jeu rapide et plein de reverb. Dick Dale, son plus grand morceau, c'est une reprise d'une chanson folklorique grecque qui s'appelle Miss Your Lou. Miss Your Lou, un titre que l'on retrouvera 30 ans plus tard, dans les années 90, sur la BO du second film de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Pulp Fiction, une BO qui va ressortir de l'oubli pas mal de morceaux de surf rock des années 60, une BO qui aura un tel succès que de nombreux groupes de surf rock se formeront à la suite de la découverte de cette musique de film. C'est notamment le cas des Parisiens de Cavalier qui, dans les années 2000, sortiront ce premier album, un album dans lequel le surf rock se mélange au punk rock et au rock garage. On n'a pas besoin de venir de la plage et du soleil pour faire du surf rock. La preuve avec ce groupe scandinave qui s'appelle Tremolo Birgut, un groupe qui vient de sortir son sixième album dans lequel ils rendent notamment hommage à Eric Satie ou Ennio Morricone, un disque frais, parfait pour la saison estivale. Et si vous voulez en savoir plus sur le surf rock, je ne peux que vous conseiller ces deux compilations-là, Surf's Comings et Surf Music Hits from California, deux compilations dans lesquelles on retrouve tous les standards du surf rock. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à la médiathèque de l'Orangerie.